Au milieu du 19e siècle, vers 1850, les gens adorent les peintures qui parlent de thèmes historiques ou religieux. Ces peintures classiques, on les appelle académiques. Il y a beaucoup de détails et on peint de la façon la plus lisse possible. Tout ça pour faire disparaître les traces du pinceau. Mais des inventions de l'époque, comme la photographie et les tubes de peinture souple, vont bousculer les travaux d'un jeune groupe de peintres. Grâce aux tubes de peinture, ces artistes vont pouvoir sortir des ateliers pour peindre dehors, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Ils peignent la nature et les scènes de la vie de tous les jours, avec de la lumière et des couleurs vives. Et surtout, ils aiment donner l'impression que la peinture bouge en faisant de petites traces avec leur pinceau directement sur la toile, donnant parfois l'impression que la peinture n'est pas terminée. Dorénavant, l'appareil photo donne une bonne image de la réalité. Du coup, les peintres n'ont plus besoin de peindre un objet tel qu'il est en vrai. Alors, ils essayent de reproduire ce qu'ils ressentent, les impressions que leur donne un paysage ou une personne au moment où ils les peignent. Ils sont aussi très inspirés par les estampes japonaises. Ce sont des peintures très à la mode à cette époque. Mais ces artistes ont du mal à se faire connaître, car peu de personnes aiment leurs peintures, et même pire, les gens qui la voient sont choqués. Et les artistes qui sont célèbres à cette époque les refusent dans leurs expositions. En 1874, ils décident donc de se regrouper tous ensemble pour organiser une exposition à Paris avec tous ceux qui ont été refusés. C'est là que Claude Monet expose sa peinture qui s'appelle « Impression soleil levant ». Il a peint la vue de sa chambre d'hôtel sur le port de la ville du Havre. On appelle les peintures où il y a la mer une marine. Sur celle-ci, on voit dans la brume le mât des bateaux qui sont dans le port, mais aussi les cheminées des usines qui font de la fumée. C'est l'époque de la révolution industrielle. Sur le haut du tableau, on peut apercevoir le soleil qui se lève et se reflète sur l'eau, éclairant trois barques qui s'avancent vers nous. À la suite de cette exposition, un critique d'art pas très sympa se moque des artistes refusés et fait un vilain jeu de mots sur le titre de ce tableau, « Impression soleil levant ». Il leur donne le nom d'impressionnistes, tout ça parce qu'ils peignent leurs sensations. Si cette exposition et celles qui ont suivi n'ont pas été un franc succès, une nouvelle manière de peindre est née. Les artistes impressionnistes finiront par trouver leur public, ce qui leur permettra de vivre de leur art. Je te propose maintenant de t'amuser avec cette œuvre de Claude Monet en essayant les techniques de peinture des impressionnistes. Nous allons avancer ensemble pour réaliser une peinture et tu mettras sur pause le temps qu'il te faudra pour faire ce qu'il te sera demandé. Surtout, prends ton temps. Cet atelier est destiné aux enfants, mais l'idée est de se faire plaisir en peignant et en découvrant le travail de Claude Monet. Alors ne te mets aucune barrière et fais-toi plaisir. Pour les plus petits, on peut aussi peindre à deux. Ça permet de partager un moment de création agréable.